Bonjour et bienvenue dans les 4V, Sandrine Rousseau. La journée va être agitée à l'Assemblée avec l'examen et le vote des motions de censure déposées par la NUP et par le Rassemblement national contre le gouvernement. C'est la réponse à l'usage du 49.3 pour faire passer le budget. On sait déjà que ces motions de censure seront toutes rejetées, que le gouvernement ne tombera pas. Alors à quoi tout cela va-t-il servir ? Ça sert à mettre un carton jaune au gouvernement en leur disant que c'est incroyable ce qui s'est passé sur le budget, c'est incroyable, il n'y a aucun de nos amendements qui est passé. Tous les amendements ont été rejetés, mais même ceux de... Le gouvernement d'ici, il y en a quelques-uns, notamment de Julien Bayou qui a été retenu. Oui, sur l'huile de friture, enfin, ouais. c'est anecdotique par rapport à l'enjeu du PLF. Et par ailleurs, ce n'est pas le cas que de nous, c'est-à-dire c'est le cas aussi même du Modem ou d'LR. Et donc là, le gouvernement se rétrécit et se mise sur une base qui est de plus en plus petite, qui sont ces simples députés, comme si ils pouvaient emporter la majorité, alors qu'évidemment, ça n'est pas possible. Mais dans la mesure où la NUP dit on ne votera pas les motions de censure du RN et réciproquement, des députés LR ont dit nous, de toute façon, on ne votera pas, le gouvernement peut dormir tranquille, enfin peut gouverner tranquille. Oui, enfin, on dépose des amendements dont on sait qu'ils ne seront pas adoptés non plus par le RN. On ne peut pas, nous, miser sur un vote du RN. Ce n'est pas possible. Donc, oui, on dépose cette motion de censure. Après, chacun est responsable dans l'hémicycle et on verra ce que ça donne. Pour l'instant, il y a quand même des choses qui sont passées qui n'étaient pas attendues. Donc, on verra. Donc, il y aura peut-être une surprise, vous dites. Je ne sais pas. Ceux qui déposent des motions de censure proposent d'ajouter de la crise à la crise. C'est ce qu'a dit le ministre du Budget hier, Gabriel Attal. Mais ces phrases-là tuent tout débat politique. Vraiment, on n'a jamais eu de dialogue avec le gouvernement pour essayer de construire une majorité ou de faire en sorte que le budget soit adopté. Là, on passe en 49.3, le budget de l'État. C'est-à-dire qu'on donne dans les mains d'Emmanuel Macron. Hein, c'est arrivé déjà une vingtaine d'années. Pas beaucoup. Oui, il y a une vingtaine d'années. Ouais. Mais on donne à Emmanuel Macron et à Elisabeth Borne les clés de l'État pendant un an. En 49.3, c'est-à-dire sans débat parlementaire. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est quand même d'une brutalité politique sans nom. Alors, le gouvernement dit il y a eu un long débat, il y a eu des discussions, sauf que comme il y a blocage et qu'il faut un budget au pays, voilà, on passe par là, la Constitution nous donne le droit de le faire. Non, mais il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat dans la mesure où aucun des amendements, en dehors de ceux de LREM, ne passe. Ça n'est pas un débat, c'est un désir d'obéissance. En fait, ce que le gouvernement nous demande, c'est d'obéir à leur politique, d'obéir à leurs amendements, d'obéir à leur volonté. Mais non, on n'a pas été élu pour ça. On représente des électeurs et électrices. Et par ailleurs, la politique qu'ils mènent nous envoie dans le mur, que ce soit sur le plan écologique ou sur le plan social. Donc pourquoi ? Pourquoi ne pas s'ouvrir ? Pourquoi ce gouvernement ne tend pas la main aux autres groupes politiques en leur disant on va travailler avec vous sur quelques amendements qui pour vous sont très importants. Vous seriez prêt à travailler Mais moi, j'aimerais beaucoup qu'on travaille sur quelques amendements et sur des amendements structurants. Mais pour l'instant, il y a une porte fermée totale, une porte close complète. Vous évoquez le climat social, il est aussi bien agité ces derniers jours. Vous disiez la semaine dernière, espérer que les mouvements sociaux seraient l'étincelle qui déclencherait un mouvement de grève générale. On en est loin, ça veut dire quoi ? Que les Français seraient peut-être moins en colère que ce que vous pouvez penser ? Je ne sais pas s'ils sont moins en colère, mais en tous les cas, ils sont plus fragiles économiquement, ils ont plus peur, ils ne peuvent pas se permettre de perdre un jour de salaire, c'est ça que ça veut dire. Et on comprend, parce que la colère et la peur de la fin du mois sont quand même à un état qu'on n'a jamais vu en France. Il y a des gens qui n'arrivent plus du tout à manger, mais plus du tout, même depuis le début du mois, parce que les charges locatives explosent, parce que les charges de cantine explosent, parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur loyer, parce que, enfin, on est dans une situation sociale inédite et le seul leitmotiv du gouvernement, c'est la casse sociale, la casse sociale, la casse sociale. Il y a quand même des aides, il y a quand même des boucliers qui ont été mis en place. Oui, mais il y a le chômage où on va baisser les allocations chômage, on va rentrer dans une réforme des retraites. Enfin, vraiment, c'est scandaleux. C'est scandaleux ce qui se passe, c'est scandaleux. C'est quel âge pour vous, le bon âge pour partir à la retraite ? 60 ans. 60 ans. Mais oui, l'idée, c'est de profiter d'avoir travaillé et de pouvoir profiter de ses loisirs. Et par ailleurs, ça partage le temps de travail. Je rappelle que la France est un des pays d'Europe où il y a le moins de personnes au-delà de 60 ans qui sont en emploi, et même au-delà de 55 ans, puisque les seniors, comme on dit, sont très peu en emploi en France. Il y en a à peu près un sur deux, un peu plus d'un sur deux, mais pas beaucoup. Donc voilà, je veux dire, dès que vous augmentez l'âge de départ en retraite, vous pénalisez les personnes qui ont commencé tôt, vous pénalisez les personnes qui ont des métiers qui abîment les corps, qui ont mal, vous pénalisez les personnes qui veulent simplement profiter de leurs petits-enfants, quitte à avoir une retraite plus faible. Et pourquoi en fait ?
Cette journée il n'y a de pas d'urgence. Hein. Enfin, je rappelle qu'il n'y a aucune urgence pour réformer le système de retraite. Cette journée de lundi sera aussi marquée par les obsèques de la jeune Lola, dont le meurtre est devenu un sujet politique et même un sujet de polémique, médiatique aussi. On a entendu Éric Zemmour et sa théorie sur les francocides. Dans un autre registre, on a entendu Cyril Hanouna déclencher une polémique en expliquant que pour lui, c'est, et je le cite, « procès immédiat en quelques heures et terminer ses perpétuités directes. Pour moi, l'accusé n'a pas le droit à une défense. » Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Déjà, j'ai une pensée pour ses proches, parce que ce meurtre est atroce. On l'a tous, évidemment. Et ses proches ont demandé à ce qu'il n'y ait aucune espèce de récupération politique, d'aucune manière. Il n'y a que ça depuis une semaine. Oui, mais donc moi, je ne me prêterai pas à ça, je respecterai la famille. Enfin, c'est quand même un meurtre effroyable. Si la famille demande à ce que le débat politique fasse une pause et qu'on reprenne après, eh bien, je respecte cette pause. Et vraiment, je pense qu'en plus, ils s'engagent sur des bases qui sont... abominable aussi, parce qu'on a vu les manifestations de néo-fascistes là, dans les rues de grandes villes en France, et sans d'ailleurs qu'il y ait d'intervention de la police. Enfin, ça, il faudra qu'on en parle. Vous savez que tout ça manque de nuances, on est d'accord, même si on s'extrait du drame de la petite Lola. Et certains, y compris dans votre famille politique, vous reprochent à vous aussi des prises de position sans nuances, de participer à cette société de la délation, pour reprendre le mot. Lola, hein. C'est pour ça que je dis qu'Éric Dupond-Moretti, vous avez attribué ce mot de délation. Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous dites aujourd'hui qu'il faut calmer le jeu, il faut apaiser un peu la société? Mais je pense qu'on a une bataille culturelle à mener. Je pense qu'il faut parler d'écologie. Hier, j'étais à la Clusaz, où il y a une rétention d'eau de l'équivalent de 60 piscines olympiques qui va être retenue juste pour faire de la neige artificielle. Ce monde est fou. Ce monde est fou. Les intérêts économiques, le profit, nous conduisent à des erreurs, mais des erreurs historiques, des erreurs extrêmement graves pour notre avenir. On ne peut pas se taire et on ne peut pas laisser le débat se faire sur d'autres bases que ceux de l'écologie et de la transformation de notre économie. Ça n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est dangereux. Donc non, je continuerai à mettre des mots sur ce qui... À provoquer parfois aussi un peu. Mais qui provoque quand je vois cette retenue d'eau dont je parlais hier, mais quand je vois le terminal méthanier du Havre, quand je vois... Qui provoque, en fait? Là, il s'agit de la vie de nos enfants. Je le dis vraiment avec toute la sérénité. Est-ce qu'il y a chez vous une forme de stratégique pour faire bouger les lignes au service de vos convictions, dans ce que vous êtes? Oui, dans... j'ai une stratégie pour faire bouger les lignes, bien entendu, et pour faire comprendre la gravité de la situation sur le plan écologique et social. On l'a vu avec la météo tout à l'heure. On a des températures qui sont absolument exceptionnelles. Il n'y a pas une goutte d'eau qui est en vue. On sort d'une sécheresse inouïe. Quand est-ce qu'on réagit? Quand est-ce qu'on réagit? Comment? Quand je suis passée ici, il y a de ça quelques mois, j'avais dit que la chasse générait des accidents. Les chasseurs ont porté plainte contre moi. Mais enfin, on est dans un monde de fous. Aujourd'hui, la nature appartient à tout le monde et on doit surtout en prendre soin, la protéger. Et on doit prendre soin des personnes qui n'arrivent pas à manger. Il est indigne que dans un des pays les plus riches au monde, il y ait des enfants qui est faim, qui n'est pas de quoi manger aujourd'hui en France. C'est scandaleux. Donc, levons-nous contre ces injustices-là. Et en tout cas, votre liberté de ton vous vaut des menaces, ce qui dit aussi quelque chose de l'état de notre société. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sous protection policière, Sandrine Rousseau? Pas encore, parce que le cabinet de Gérald Darmanin nous avait demandé des pièces que nous avons fournies la semaine dernière et nous n'avons pas de retour. Encore. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes inquiète? Non, je ne suis pas spécialement inquiète, mais je veux mesurer la menace, oui. Je pense que quand j'entends des manifestations d'extrême droite et de néo-fascistes là, qui disent « à mort les gauchistes », j'imagine que je fais partie de cela. Donc oui, j'aimerais bien savoir, oui. Emmanuel Macron est à Rome ce matin. Il va rencontrer le pape et hier, il a rencontré la nouvelle première ministre issue de l'extrême droite, Giorgia Meloni. Il l'a rencontrée en toute discrétion. Ça a donné lieu à un tweet et une petite photo. Est-ce qu'il a eu raison d'aller rencontrer la première ministre italienne? Il y a une complaisance avec le fascisme et l'extrême droite qui est quand même incroyable chez Emmanuel Macron. Oui, une complaisance. Il est le premier chef d'État d'Europe à aller la voir. Je pense qu'on aurait pu marquer le pas, marquer la désapprobation, marquer le fait que nous ne coopérons pas avec des régimes qui se revendiquent de l'histoire de Mussolini. Si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, vous couperiez les ponts avec l'Italie? En tous les cas, je marquerai ma désapprobation dans un premier temps. C'est pas possible. Elle se revendique de l'histoire mussolinienne. Mussolini était un dictateur pendant la période fasciste. Elle a nommé une femme qui n'a qu'une seule mission, c'est d'interdire l'avortement. Mais on est où là? En fait, c'est quoi ce monde?
Où sont les valeurs humanistes, où sont les valeurs d'égalité, où sont les valeurs donc de progrès. Donc il fait une faute, cette poignée de main, là, hier, oui, c'est une faute. Oui, c'est une faute. C'est une faute. Autre dirigeant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, au Brésil. Il saura dans une semaine s'il a le droit à un deuxième mandat ou s'il est battu par Lula. Neymar, le joueur du PSG, je ne sais pas si vous avez vu ça, a publié une vidéo dans laquelle il soutient, il appelle à voter pour Bolsonaro. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que finalement c'est son droit de citoyen, Neymar? C'est surtout Bolsonaro qui me choque, là, en l'occurrence, parce que Bolsonaro... Je rappelle quand même que l'Amazonie, qui est sur le Brésil, donc sur la terre de Bolsonaro, est en train d'atteindre son point de bascule. Son point de bascule, c'est le poumon vert de l'Europe, ça atteint son point de bascule. Pourquoi ? Parce qu'on défriche cette forêt pour faire du soja, pour nourrir les bovins du monde entier, et notamment en France. Cet homme nous met en danger. Cet homme est un danger, est écocidaire. Vraiment, il met l'humanité dans son ensemble en danger. Donc c'est lui qui me choque. Et vraiment, là, on est à la fin d'un système. Et je dis à celles et ceux qui veulent s'accrocher à ce système, il n'est plus possible. Mettez-vous autour de la table, venez discuter et faisons une autre société. Je ne vais pas vous laisser partir sans un petit point barbecue, Sandrine Rousseau, si vous voulez bien. Jeudi, invité de C'est à vous, Lambert Wilson a dit qu'il trouvait insupportable qu'on aille chercher le patriarcat partout, y compris dans le barbecue. Tout ça à des fins personnelles et des fins d'ambition, il parlait de vous. Et pourtant, précise-t-il, je suis un grand supporter d'Europe Écologie Les Verts. Comme il sera notre invité à 9h, c'est l'occasion de lui répondre à Lambert Wilson, Sandrine Rousseau. Eh bien, j'ai envie de lui dire que j'ai vu cet extrait, que déjà, ils n'étaient que des hommes autour de la table à parler de ça, et que je l'invite vraiment à changer sa consommation de viande, parce que dans les gestes individuels que nous pouvons faire pour limiter notre impact sur la planète, eh bien, la viande fait partie de ceux qui ont le plus d'impact. Donc, Lambert Wilson, plutôt que de rentrer dans des discours qui sont d'un autre temps, vraiment changer, bouger... Pourtant, il est écologiste, hein, lui, il dit « je soutiens vraiment ELV ». Ben oui, mais dans ces cas-là, il soutient la diminution de viande. Et donc, voilà, je peux l'énerver. Il m'énerve aussi, voilà. Bon, son nouveau film s'appelle Plancha. Vous ne prenez pas ça pour une attaque personnelle? Ben, Plancha avec que des hommes en promo, ça me pose une question. Ouais. Quand même, pour vous, il y a un sujet là aussi? Ben non, mais ça te dit quelque chose de ce que je dénonce, quoi. Il y a des femmes dans le film, hein, quand même, je vous rassure. Ben, tant mieux. On l'a vu avant de le recevoir. Pour la suite, on vous mettra directement en contact. Merci. Et par ailleurs, je répète quand même que ce n'était pas le barbecue. En l'occurrence, c'était l'entrecôte sur le barbecue que je dénonçais et le fait que les partisans de Trump se reconnaissaient sur les réseaux sociaux en se prenant en photo devant un barbecue et une entrecôte et que ça dit quelque chose de notre monde aussi. Et là, vous avez compris que c'était un clin d'œil parce que Lambert Wilson est là ce matin. Merci en tout cas d'être venu nous voir dans les 4D. Merci Sandrine Rousseau. Merci à vous deux.